Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé un petit peu des ciseaux à bois et je vous ai donné quelques trucs et astuces pour pouvoir acheter vos ciseaux en connaissance de cause. Aujourd'hui, on va voir comment on va procéder pour préparer et affûter ces ciseaux à bois qui sont neufs et qui, comme je le rappelle, ne coupent pas. Alors, j'ai avec moi ici à l'atelier, j'ai pris trois ciseaux. J'ai pris un ciseau qui est flambant neuf. On peut voir d'ailleurs à la caméra que, je regarde en même temps à l'écran, on voit qu'il y a encore les stries, les traces d'usinage, aussi bien sur la planche que sur le biseau et le biseau secondaire. Alors on a un ciseau qui, d'usine, coupe déjà pas mal. Hein. Quand je passe mon doigt ici sur le tranchant, on a quelque chose qui est franchement déjà très correct pour un affûtage d'usine. Autre particularité, je vous ai dit, biseau principal, biseau secondaire, Bacco fournit ses outils avec un biseau secondaire. Le biseau principal est à 25 degrés, le biseau secondaire est lui aux alentours des 30 degrés environ. Dans notre préparation, on va commencer par la planche, on s'occupera du biseau après. On va faire en sorte de faire disparaître ces rayures pour avoir une planche qui soit parfaitement lisse. J'ai avec moi un deuxième outil qui est un outil bas de gamme. Plus bas de gamme que ça, je pense qu'on ne peut pas trouver. Que j'ai affûté avant de tourner cette vidéo, qui a la même largeur que le ciseau Bacco que j'ai avec moi. Et on fera en cours de vidéo un comparatif des deux. Troisième ciseau que j'ai avec moi, c'est un de mes Stanley Bellet que j'utilise en charpente. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo où je vous parle de l'affûtage de mes outils de charpentier en utilisant la Tormek, je vous ai expliqué dans cette vidéo que mes ciseaux à bois de menuisier, je les affûtais, en tout cas à l'époque, de la même façon, mais que j'allais un petit peu plus loin. On va voir aujourd'hui, en terminant l'affûtage de ce ciseau, comment je procédais pour affûter mes ciseaux à bois conjointement avec la Tormek et avec des pierres à eau japonaises. Pour faire l'affûtage à la main, je dispose de pierres japonaises, des pierres plates. J'en ai une première d'un grain 400, grain 1000, grain 3000, grain 6000. Pour faire la finition, j'ai une lanière de cuir sur laquelle je viens appliquer de la pâte abrasive qu'on trouve sous cette forme. Ce sont des cubes, un peu comme de la plasticine, et vous venez simplement appliquer cette matière sur votre lanière de cuir. Là, la mienne ici est déjà bien imprégnée, je n'ai pas spécialement besoin d'en rajouter plus. L'affûtage à la main, c'est quelque chose qui peut se faire à main levée. Quand on prend le coup de main, on arrive à avoir des résultats qui sont très probants. On aura quand même nettement plus facile de faire ce travail en utilisant un gabarit. Simplement parce que le gabarit vous assure de garder un angle stable tout le long de l'affûtage. Mais en plus, des gabarits comme celui-ci sont fournis avec une jauge qui vous permet de mesurer l'angle que vous souhaitez, et ceci de manière assez précise. Alors avant d'affûter un ciseau, il faut préparer sa planche. Donc au niveau de la préparation, on va s'occuper de deux choses essentiellement. On va s'occuper d'une part de la planche, et on s'occupera ensuite du biseau pour lui donner l'angle souhaité. La préparation de la planche, on pourrait la faire directement avec nos pierres à eau plate. Le souci, c'est que généralement, on a des pierres qui sont moins larges que la planche du ciseau en elle-même. Or, si on veut préparer correctement sa planche, il est important de le faire sur toute la surface. Et pour ce faire, je vais préférer utiliser du papier de verre avec des demi-feuilles. Donc, je suis sûr de pouvoir travailler sur toute la largeur de ma planche en une fois. Pour préparer les planches de mes ciseaux, j'utilise du papier de verre que j'ai collé sur une surface de contreplaqué qui est bakélisée.
J'utilise différents grains. J'ai deux premiers grains que j'utilise à sec. Pas de crainte, c'est de l'acier, ça ne va pas fondre comme neige au soleil. J'ai un grain 100, j'ai un grain 200. Je passe ensuite sur du papier de carrossier, qui est waterproof, qu'on peut utiliser avec de l'eau. Grain 400, grain 600, grain 800 et grain 1000. On pourrait aller au-delà, on pourrait aller 2000, 5000. Pour une préparation de planche, moi je m'arrête sur du grain 1000, je trouve que c'est suffisant. Alors, je vais venir déposer mon ciseau sur le premier grain. Je vais appliquer les doigts de ma main gauche répartis sur toute la lame, de manière à maintenir une pression pas trop forte, régulière, équilibrée, et avec ma main droite, je vais venir prendre le manche avec mon pouce qui est près de l'épaulement de la lame, et je vais appliquer des mouvements de va-et-vient. Je vais en faire une dizaine pour commencer. Et puis je vais regarder le premier résultat et je vois que je suis occupé à passer bien partout. J'ai une bosse ici et une bosse là, un léger creux ici. Il va absolument falloir que je fasse disparaître les bosses et avoir une surface plane sur l'ensemble. Donc je vais repasser encore quelques fois sur mon grain 100. Commence à avoir un résultat qui devient un peu plus intéressant. Je vous approche la lame pour pouvoir vous le montrer. Alors vous voyez ici, sur cette partie-ci, on le voit bien, j'ai une surface qui est brillante, on voit que je suis bien passé, et ici on voit que c'est un peu plus mat. Donc j'ai pas encore enlevé la couche de protection qu'il y avait sur le ciseau et j'ai pas encore poncé suffisamment ma lame. Donc je vais continuer jusqu'à ce que ça disparaisse. Une fois qu'on a terminé ça, on va passer au grain suivant. Mais avant, il est vraiment important de bien essuyer sa lame pour éviter de transposer du grain 100 sur le grain 200. Et on fait la même chose. On vérifie de temps en temps. J'approche tout doucement d'un résultat intéressant. Voilà, j'ai un résultat qui est quasiment parfait. J'essuie ma lame de nouveau et je vais passer au grain 400. Alors, grain 400, à l'eau, bien mouillé son papier. J'avais un pulvérisateur à une certaine époque qui ne va plus. Voilà, il faudra que j'en trouve un autre. Et on va continuer à faire la même chose, cette fois-ci, au grain 400 à l'eau. Ouais, ça commence à devenir bien. Fini avec le grain 400, je suis proprement ma lame. Je viens vous montrer le résultat. Voilà, la caméra fait le focus. Donc je suis seulement avec un grain 400. On voit que ma lame a été entièrement travaillée, la planche a été entièrement travaillée. J'ai déjà quelque chose qui commence à briller, alors qu'on est encore loin d'avoir terminé. J'inverse mes deux plaques.
là, et on est parti, grincissant. Alors je vais enchaîner, grincissant, grain 800, grain 1000. Bien mouiller son papier. Alors, petite parenthèse par rapport au papier de verre. On peut tout à fait utiliser le papier de verre par la suite pour affûter un ciseau, affûter le biseau d'un ciseau en utilisant du papier de verre qui va encore plus loin. On trouve du 2500, du 5000. On va avoir des résultats qui sont tout à fait valables. C'est vraiment une solution qui est très bon marché. Alors, le papier de verre, vous allez pouvoir affûter 4, 5 ciseaux à bois avec vos feuilles de papier de verre avant qu'ils ne soient abîmés et qu'ils ne soient usés. Surtout si vous préparez vos outils dessus avec. Alors, on n'obtient pas avec un grain 1000, en tout cas, on n'obtient pas la brillance qu'on aurait si on travaillait avec du grain 2000, 5000 ou avec une pâte à polir. Mais on obtient une planche qui est bien plate, qui est bien régulière. Quand on passe dessus, elle est toute douce, on ne sent pas du tout les stries. Et pour avoir un tranchant qui est correct, c'est amplement suffisant. On va maintenant attaquer le biseau. Alors, notre biseau. On a un angle d'usine de 25 degrés. Moi, j'ai qu'un seul jeu de ciseaux. Et je m'organise pour tout faire avec. Ce qui veut dire que je vais privilégier d'avoir un angle de 35 degrés au niveau de mon tranchant. Comme j'ai un angle de 25 degrés et que j'ai un biseau secondaire qui est préformé, je ne vais pas m'embêter à réaffûter l'entièreté du biseau. Je vais uniquement me concentrer sur le biseau secondaire. Je vais prendre mon gabarit, je vais installer mon ciseau dedans. Alors je l'ai pré-réglé à un angle de 30 degrés. Voilà, je vais bien le plaquer sur l'épaulement. Voilà, et je serre ça convenablement. Ok, une fois que mon ciseau est en place, je peux retirer la jauge d'angle. Je vais remettre de l'eau, sur ma pierre en grain 400. Au toucher, comme ça, je ne sens pas de morphile du tout. Préparation usine qui est bien faite. Malgré tout, avant de commencer mon usinage, l'affûtage, je vais prendre le ciseau, je vais m'appuyer avec le gabarit et je vais tirer ma lame en arrière, aller à contresens, dans le sens du biseau, pardon, pour si jamais j'avais un très léger morphile au bout de ma lame, de relever ce morphile et d'éviter, en faisant des mouvements de va-et-vient dès le départ, d'abîmer ma pierre. Et je vais faire ainsi une dizaine de mouvements aller-retour. Et je fais des mouvements d'avant en arrière et je vais travailler sur toute la largeur de ma pierre, de manière à éviter que celle-ci ne s'use trop fort au même endroit. Là, je fais quelques mouvements
je retourne ma pierre là et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, j'use ma pierre de façon la plus uniforme possible. Là, pareil que tout à l'heure, je vais essuyer ma lame, je vérifie que je suis bien passé partout, j'ai un petit angle ici qui n'est pas fait, il va falloir que je retravaille encore un peu dessus. J'essuie à nouveau ma lame, voilà, c'est parfait. Alors avant de passer à la pierre suivante, je vais également nettoyer le rouleau d'appui de mon gabarit parce que j'ai également des poussières de métal qui se sont déposées dessus et je ne voudrais pas les transposer sur ma pierre. Là, je mouille ma pierre convenablement. On est sur un grain 1000. Vous allez entendre à l'oreille qu'on a une autre mélodie que sur le grain 400. Je retourne la pierre. Et je continue. J'essuie ma lame, j'essuie le rouleau. Et je vais passer sur la pierre au grain 3000. Voilà, on a quelque chose qui est très bien. Au toucher, je sens un très léger morphil. Le morphil, c'est quelque chose qui est important parce que si vous n'avez pas de morphil qui se forme, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas arrivé au bout du bout de votre tranchant, de votre biseau. Et donc, vous n'arriverez pas à avoir un tranchant qui soit vraiment impeccable. Alors, pas besoin que ce morphil soit énorme, hein, mais il doit être là, c'est nécessaire. Comme j'en ai fini avec l'affûtage du biseau, je peux retirer mon gabarit. Je remouille ma pierre grain 6000. Et on va s'occuper justement de ce petit bout de morphil. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir ça de plus près. Pour enlever ce morphil, je vais simplement venir déposer mon ciseau avec le biseau qui dépasse de la pierre. Je pose mon ciseau bien à plat sur la pierre et je viens tirer ma pierre en arrière, mon ciseau en arrière sur la pierre. Je vais le faire plusieurs fois et comme ça, je suis à peu près sûr d'avoir relevé le morphil. Alors, je le sentais sur l'arrière. Évidemment, je ne le sens plus et je ne le sens plus devant non plus. Pour peaufiner ce travail, je remets ma lame à plat et je fais quelques allers-retours sur ma pierre en grain 6000. Voilà. Au toucher, on a déjà quelque chose de pas mal, hein. Ça fait peur même. Ce qui ne devrait pas, parce qu'un outil qui coupe,
C'est un outil avec lequel on a moins de chances de se blesser qu'avec un outil qui ne coupe pas. Et si on venait à se couper avec cet outil qui est bien tranchant, on aurait une blessure qui serait propre. Bon, notre lanière de cuir avec de la pâte abrasive, on va venir chercher le fin du fin. On va avoir un tranchant qui est brillant, qui a un effet miroir, qui nous garantit que on a un affûtage qui est parfait. Important de travailler en tirant la lame vers soi et pas en poussant vers la lanière de cuir, parce que sinon vous allez lacérer, vous allez foutre en l'air votre lanière de cuir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc je viens simplement poser mon ciseau dessus, je viens chercher l'angle de mon biseau, ce qui est moins évident évidemment quand on a des biseaux secondaires, et je fais un mouvement vers l'arrière en appuyant fortement sur ma lanière de cuir. Je le fais quelques fois. Alors ça demande un peu un tour de main. Une fois qu'on a trouvé, qu'on a senti le mouvement et la résistance de la lame, c'est quelque chose qui va tout seul. Ouais. Et pour l'obtenir, ce brillant, on va mettre un petit coup de chiffon dessus pour le nettoyer de la pâte abrasive. Là, et je vous montre ça tout de suite à la caméra. Voilà, je recherche un peu l'angle avec la lumière. Voilà, vous pouvez voir qu'on a ce biseau secondaire qui est éclatant. Et au niveau de la pilosité, ben on a quelque chose qui fonctionne vraiment bien. C'est un vrai rasoir. Là, alors je vous avais parlé un petit peu de mon ciseau bas de qualité, bas de gamme. Je lui ai apporté exactement le même affûtage. Et vous pouvez voir que au niveau rasoir, effet rasoir, c'est la même chose. C'est quelque chose. Là, j'arrive. Ops. Je vais encore me faire engueuler par ma femme. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que des outils haut de gamme, c'est bien. Si vous avez les moyens de vous offrir des outils haut de gamme, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mais l'outil, il est indissociable de l'affûtage. C'est bien d'acheter des ciseaux à bois, mais il faut absolument penser affûtage à côté. Et dans le budget que vous allez allouer à l'achat de vos ciseaux à bois, vous devez absolument prévoir une part de ce budget pour acheter du matériel d'affûtage. Sans quoi, vos ciseaux à bois, vous n'allez pas les garder longtemps. Les Baco sont affûtés d'usine avec quelque chose qui est correct, mais qui est loin de ce que j'ai ici maintenant. Je n'aurais pas su me raser avec le tranchant que j'avais tout à l'heure. Et ce tranchant, je ne vais pas le garder longtemps, je vais travailler quelques jours avec et il va s'émousser, il va partir et au fur et à mesure de l'utilisation, il va devenir de plus en plus mauvais. Donc il faudra les affûter. La différence qu'il y a entre un haut de gamme et un bas de gamme, elle se situe essentiellement dans la qualité de l'acier. Et donc on va avoir des outils qui vont s'émousser plus rapidement et donc il faudra affûter plus souvent. Mais je préfère très nettement me retrouver dans un atelier à travailler avec un outil comme celui-ci à 5 euros. Qui est bien affûté, qui coupe comme un rasoir, plutôt que d'avoir le dernier modèle de chez Linilsen ou un super ciseau japonais qui n'est pas affûté et avec lequel je ne saurais rien faire. Je vous ai expliqué tout à l'heure que avant j'utilisais mes ciseaux à bois en les affûtant avec la Tormek. Donc sur la Tormek, la pierre à eau que j'ai, c'est une pierre à eau de grain 220 et en la préparant, on va sur un grain 1000. Grain 1000, voilà, le résultat qu'on a est pas mal. En la passant sur la lanière de cuir après, on obtient quelque chose qui est tout à fait satisfaisant. En tout cas, moi, ça me convenait amplement pour des outils que j'utilisais en charpente. En revanche, pour des outils dans un atelier de menuiserie, si on veut faire du travail fin, moi, ça me paraît quand même franchement limite.
Et chez Tormek, ils sont bien conscients de ce problème puisqu'ils vendent une pierre à eau qu'ils appellent une pierre japonaise en grain 4000, celui-là. Ça coûte environ 300 euros la pierre, je crois, pour avoir obtenir un tranchant qui était plus fin. Alors moi, comment est-ce que je procédais? C'était pas bien compliqué. J'avais donc fait mon affûtage avec la pierre, j'avais fini avec un grain qui correspondait à un grain 1000. Donc ces deux pierres-ci, j'en ai plus besoin, je les remets à tremper. Là, je prenais mon gabarit ici. Voilà. Je venais régler mon ciseau à bois avec l'angle souhaité. Je suis pas bien mis. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Là. Et j'attaquais directement sur ma pierre avec le grain 3000. Pour faire un biseau secondaire directement. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Donc, j'ai un biseau principal qui est un peu arrondi. Hein. On voit les stries qui sont laissées par la pierre avec un grain 1000 et on voit un tout léger biseau secondaire. Et donc au fur et à mesure que je vais devoir réaffûter cet outil en fonction de son usage, je vais simplement réaffûter ce petit biseau secondaire qui va grandir progressivement au fur et à mesure des affûtages. Et quand il deviendra trop grand, soit je le laisse comme ça si la lame n'est pas abîmée, s'il n'y a pas eu un coup de dent. Et si je viens avoir un coup de dent qu'il faut que je reprenne sur une plus grosse épaisseur, et bien je vais retourner avec sur ma Tormek, le régler sur un angle de 25 degrés, reprendre la partie qui est abîmée et recommencer un cycle. Petit comparatif des trois outils qu'on vient d'affûter. Je commence avec le Stanley Bellé. Et on va faire des petits copeaux sympathiques en forme de rouleau. Voilà. Vous pouvez déjà voir que je ne dois pas appliquer une grande force. Et j'ai des rouleaux qui se détachent. Là, petit truc chouette. Là, on se rend bien compte qu'on a un outil avec un affûtage qui est très satisfaisant. Là, je vais enlever ceci et on va faire la même chose avec le ciseau Baco et ensuite avec le ciseau à 5 balles. On peut se rendre compte tout de suite, c'est que j'arrive à faire
des rouleaux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus serrés. Je dois bien avouer que même si je n'ai pas spécialement de préférence au niveau d'une marque ou d'une autre, je dois bien avouer que j'ai un rendu avec mon ciseau Baco qui est quand même supérieur à mon ciseau Bellet. Alors ceci c'est dû à la méthode d'affûtage certainement. Voilà, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Et on va comparer maintenant avec l'autre ciseau. C'est là qu'on a un comparatif qui est intéressant à faire. On s'aperçoit que j'arrive à avoir un résultat similaire avec mon ciseau à 5 balles que ce que j'en avais avec mon Baco. Mais une chose que vous ne pouvez pas vous apercevoir à l'écran, c'est la force que je dois appliquer pour obtenir ce résultat. Et en fait, avec ce ciseau-ci, je dois appliquer beaucoup moins de force, même qu'avec mon ciseau Baco. Alors on pourrait se demander comment ça se fait, puisque au final, j'ai mis en œuvre les deux mêmes procédés d'affûtage. Eh bien, en fait, c'est assez simple. Mon ciseau à 5 balles, et c'est généralement le cas des outils bon marché, c'est un outil qui est fait dans un acier qui est tendre. Et donc, je suis parvenu à obtenir un affûtage qui est beaucoup plus tranchant avec ce ciseau qu'avec mon Baco qui présente un affûtage qui est beaucoup plus dur. Voilà, je pense que le résultat parle de lui-même. Pour conclure cette vidéo et la précédente sur les ciseaux à bois, j'espère vous avoir apporté suffisamment d'informations que pour que vous puissiez acheter et affûter vos ciseaux à bois en toute connaissance de cause. Je vous remercie d'avance pour les pouces bleus en dessous de la vidéo, ainsi que pour les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir répondre à vos questions et de dialoguer. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. Alors, on va ranger et nettoyer un peu cette affaire-là. Les pierres. Alors, oups.